n'y a pas de foi parce qu'il n'y a pas de la foi. Parole ça, il n'y a pas seulement passé dans le temps Jésus à vivre, il y a passé dans plusieurs époques dans l'histoire de l'humanité. Je dis ça pour plusieurs raisons. Moi, il y a plusieurs monde qui m'ont rencontré. Plusieurs monde qui m'ont rencontré qui disent et qui discutaient avec moi en vers de terre. Parce que c'est composé. C'est en vers de terre l'été. Le lion ne dévore pas le ver de terre. Le tigre ne dévore pas le ver de terre. Mais la poule ne donne pas de chance au ver de terre. Il y a raison. Pour ver de terre là, ce n'est pas le lion qui est méchant ni le tigre, mais c'est la poule. Parce que cette poule-là a besoin de terre pour le nourrir, pour le manger. Lion a besoin de terre pour le nourrir. Donc quand un lion voit un ver de terre, le lion s'en va. Il va attaquer du tout. Réalité, nous, bien ça va. En pile monde nous paix, c'est pas un méchant. En pile monde nous pas paix, nous fait confiance, c'est un méchant. Sans le son apprendre. Et moi, dis, personne ne fait en connaître tout le monde. Il y a des détails de la vie qui a étonné nous. De même pour Jésus-Christ, quand il t'a vu la Caïlée. N'est-il pas le fils du charpentier, petite Maria, c'est la qui habitait dans le quartier. Nous changeons l'heure. Moi, j'étais dans un colloque international à l'Université Laval. Et gagnons. Il y a un monsieur qui était là, sur mon doigt la main, mais qui était vivre longtemps à Paris. Lycée professeur à Sorbonne 2 à Paris. Je ne connais pas, parce que c'est une génération par an oubliée. Et il y a des présentations qui ont été faites pour apprécier et apprivoiser. Prendre le temps pour apprécier et apprivoiser. Le petit prince et le renard de Saint-Exupéry dans le jardin, dans la rizière du château royal. Renard là, chaque fois, l'a venu manger Gabdi Rio, le gardien voyait roche sous les. Renard là, courait. Il est toujours serré dans le trou, il n'est pas jamais qu'à manger parce qu'il a couru tout le temps. Et un jour, le petit prince, le fils du roi, m'a dégagé pour le bailler une chance parce que s'il n'a pas mangé, il n'a pas dit il n'a pas vivre, c'est là pour le vivre. Faut que nous-mêmes nous tuions pour l'air, pour le vivre. Nous tuions les animaux, cheval, bœuf, cabrit, cochon, pour le vivre. De même, les mêmes besoins que là pour le vivre, ou pas qu'à empêcher de manger. Et gardien te dit, prince là, oui, il est d'accord pour l'appliquer ça dans le mais toujours garder un roi en bas pour le voir roche sur le là, parce qu'il n'est pas venu là bien. Il n'est pas venu là jouer. Il n'est pas venu là avec un content. Et c'est pour ça, prince là, révoqué gardien, c'est lui à la fois le prince et le gardien. Comme ça, puisque c'est un prince lié, c'est un roux, un blanc. Là nous disons roux, un blanc, c'est un monde qui a des cheveux jaunes, plus ou moins jaunes. Or, voilà que les voyants de Saïba, Renala, ils disent qu'il y a un temps par eux, viens manger, viens manger. Ils disent non, je ne vais pas venir parce que Gadi a toujours appuyé d'elle. Il veut tuer parce qu'il n'est pas venu vivre à l'aise. Presta dit, où m'êtes venu?
Et renard la vini, il commence à manger. Prince-là, tu es devant les paroles prince-là. Pour qui ça? Parce que cheveux prince-là, tes couleurs, grappes d'huile. Il n'y a pas de faire différence entre les grappes d'huile et les cheveux du prince. Il n'y a pas de peur de ça. Prince-là dit, le renard n'avait pas peur, n'avait plus peur, parce que je l'avais apprivoisé. Je me suis mis dans le pôle pour me sembler à salter les mains. Il aime le riz, les grappes de riz jaune, je vais faire jaune pour qu'il m'aime et m'approche. Et je l'approche, il m'approche, et depuis ce temps, le renard et le prince deviennent amis. Et le Saint-Exupéry disait, c'est en apprivoisant qu'on devient, en s'apprivoisant qu'on devient ami. Ou caparaïm, moi caparaïm. Mais les nous commençons à habituer. Vous connaissez qualité avec défaut, moi gagne. Vous connaissez qualité avec défaut, vous gagne. Moi, pas regarder beauté physique, mais regarder beauté intérieure. Si les hommes pouvaient regarder de à l'intérieur des autres hommes ou des autres femmes, on aura un pays où l'on vivra comme des frères, comme des sœurs, parce que l'amour intérieur est plus fort que l'amour physique qui s'extériorise. Voilà. Dans la pensée, on a constaté, à partir de saillotie de Jésus-Christ, à partir de l'expérience du prince et du renard, à partir d'expérience moi personnellement, à partir d'expérience plusieurs autres mondes, l'expérience du ver qui pense que le lion et le tigre ne sont pas féroces, ni offensifs, ni dangereux, à partir du ver qui pense que la poule est plus féroce, plus dangereuse que le lion, moi comprendre que chaque monde a un sort particulier qui méritait une attention particulière. Chaque monde vit un moment particulier, dépendamment des milliers qui évoluaient, aux circonstances qui entouraient la ville, et chaque monde qui est content, la peine, dépendamment des ressources et dépendamment de fréquentation. Jésus-Christ fait expérience ça. Mais en conclusion, malgré toutes les péripéties du Christ, le dernier instant de sa vie était deux choses. La première chose, Jean, voici ta mère. Ce qu'il possédait de plus cher en lui, les bailles, Jean, c'était maman. Il ne possédait rien de plus cher que sa mère, il donnait ça à Jean. Et en donnant sa mère à Jean, en partant, en laissant le monde, il n'a pas voulu que l'humanité demeure orpheline. Il dit, je m'en vais, je vous laisse une mère pour que vous ne soyez pas orpheline. Parce qu'il connaît chaque petit qui est orphelin. Mais il dit, moi, je m'en vais, je vous laisse. Il dit, bah, maman. C'était ça qui est bien important pour lui. Il a donné ça à l'humanité, à Jean. Deuxième parole, les prononcer, qui traumatisait l'humanité, c'est une parole qui parle sautie. Depuis l'arrestation, qui parle passer dans le procès devant Caïphe, les paroles exprimées l'ont concentré d'expression sentimentale au niveau amour, agapé, l'aide pas dit, l'aide demande de l'eau, y'a pas le vinaigre. Il dit, j'accepte le vinaigre au fruit pour empêcher à l'humanité d'ingurgiter du vinaigre. Moi, quand on nous parle, il dit, moi, quand on nous parle, goûter vinaigre, parce que la société, ça le pifole là-dedans, c'est préparer le vinaigre pour mon piment. Mais j'accepte le vinaigre qu'on m'offre au bout du roseau pour que vous-même, vous soyez panier de ce du vinaigre. Il accepte. Et à la fin, il dit, papa, pardonnez-le, il n'y a pas de conserve.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme pardonne à ses bourreaux. Il a corrigé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il a fait répondre à la haine de l'humanité l'amour inconditionnel. L'amour pardonne à ses assassins. Si aujourd'hui, nous avons fait remettre la loi, il n'y aura plus d'ennemis, on n'aura que des amis. On n'aura plus de guerriers qui se battent les uns contre les autres. On aura des frères et des sœurs qui s'entendent, qui se donnent la main pour avancer. Pour ça, je vais faire. Pour ce que je vais faire, je vais détailler 12 points bien simples. Faut l'injustice qui frappe l'autre là, révoltez-vous comme si c'était propre injustice qui te frappe. Pour ça, je vais faire. Faut nous croire. Être différent est une richesse et non une exclusion. Les rêves danser, me paraît danser. Les rêves chanter, me paraît chanter. L'amour du chant, l'amour de la danse, mettez bagages ça ensemble, nous faisons richesse. Chacun comme il est. Troisièmement, si nous croyons que pardon rend plus grand et plus fort et plus humain qu'une vengeance qui change l'ennemi, eh bien, on n'a pas donné un homme, on n'a pas fait vengeance, on nous dit non à la vengeance, que oui, pardon. Moi, je t'ai dit ça, et mais oui. Oui, c'est ça.